Je pense qu'il faut faire abstraction du contenu ce soir. Après, on a pris un but en première mi-temps quand même assez rapidement, donc ça a mis un petit peu l'équipe en difficulté. Il a fallu changer aussi certaines choses tactiques. Ça a un petit peu mis le trouble dans l'équipe. Et puis à la mi-temps, j'ai sorti ça parce qu'il avait pris un carton en première mi-temps. J'avais un petit peu peur qu'il prenne un rouge. Donc, même s'il nous apportait quand même pas mal de choses, mais par moment, à Clermont, ça s'était arrivé pareil et je voulais un petit peu cadenasser la chose. Et sur la seconde mi-temps, je pense que malgré tout, c'est mérité de revenir au score. Alors, on ne s'est pas créé énormément d'occasions, mais dans l'abnégation et dans l'envie, je pense qu'on a fait mieux que Brest. Avec peut-être, oui, encore un petit peu de manque de justesse technique, mais j'étais très heureux de ce qu'ils ont fait, notamment dans l'état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir faire tourner le compteur. Et il nous manque peut-être ces 2-3 matchs nuls qu'on aurait peut-être pu faire en première partie de saison pour pouvoir prétendre être un petit peu mieux au classement. Je pense que c'est un petit peu ce qui manquait à notre équipe, c'est-à-dire que tout le monde, et vous le savez très bien, à chaque fin de match, on était toujours confronté à la même chose, qu'on était une équipe qui jouait bien, qui avait. Oui, à un certain moment, c'est important. Et ce soir, je ne veux pas dire que j'aurais pas préféré mieux jouer, mais par moment aussi, pour pérenniser un club en Ligue 1, il faut aussi prendre des points. Et on voit que ben, les points sont durs à prendre, et pour tout le monde, pas que pour nous. Ce qui m'a incité, c'est qu'il fallait aller chercher, un petit peu cette équipe de Brest, il fallait essayer de les mettre un peu plus en difficulté. Passer en 4-3-3, je voulais amener un peu plus de densité au milieu aussi. Parce qu'en fait, en première mi-temps, on voyait que les trois défenseurs se faisaient des passes, mais en soi, ça ne faisait pas avancer le ballon. Donc à un moment donné, il fallait mettre plutôt un joueur un peu plus haut. Après, c'est vrai que quand j'ai sorti Jimmy, puisqu'il se marchait un petit peu dessus avec Flo, c'était à peu près le même style de joueur. Donc, voilà, on a tenté des choses, on a essayé de mettre des choses en place. Tout n'a pas réussi, mais malgré tout, on est revenu au score et tout le mérite en est pour les joueurs. On avait fait ces trois défaites, après on a gagné contre Lorient à domicile. Ce qui me pesait, c'est de ne pas prendre des points dans notre stade devant notre public. Je pense qu'à un certain moment, c'est important quand même de montrer à tout le monde un certain état d'esprit chez nous et que les clubs, quand ils viennent chez nous, ils se disent pas on va à chaque fois les contrer, on va à chaque fois à un moment donné gagner sur une ou deux occasions. Malheureusement, ce soir, ça a failli encore se rééditer, mais on avait mis quelque chose en place d'un peu plus solide, d'un peu plus costaud. Après, oui, ça pêche un petit peu offensivement, mais si vous êtes un peu plus solide défensivement, c'est un peu plus dur aussi d'amener de la présence devant le but. Mais c'était un petit peu voulu, sans vraiment penser qu'on allait prendre un but aussitôt. Donc il a fallu après changer certaines choses. On est à la 19e journée, il aurait fallu avoir 19-20 points pour pouvoir tourner un point par match. Il nous manque 2 points, 2-3 points, je pense, au compteur. Peut-être un match gagné, voire 2-3 matchs nuls, qui auraient pu nous permettre de prendre un point par match. Parce qu'un point par match, ça fait 38 points. Et après, vous avez peut-être un match à gagner de plus ou pour arriver au maintien. Donc, il faut rester dans cette dynamique, essayer de récupérer des points à l'extérieur, essayer de continuer à avancer à domicile en prenant des points à domicile. Je pense qu'aussi c'est un objectif qu'il faudra qu'on ait en deuxième partie de saison.